Je suis choquée. Vraiment, ne m'envoyez plus ce genre de choses. Ne m'envoyez plus. Là, je suis choquée. Je suis choquée. Mais on va où? Punaise. Mais on va où? Ce n'est pas possible, ça. Merde. C'est-à-dire que tu fais l'amour, tu filmes et tu balances ça sur le net. Eh Seigneur Jésus. Eh mon Dieu. Vraiment mes frères. Eh mon Dieu, mes frères, ça c'est le Satan qui... On n'a plus besoin. Non, le diable est sur terre. On n'a plus... Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible ça. Merde, c'est quoi ça? Oh my God. C'est pas possible. Mais ce mec, c'est qui même? C'est qui ce mec? Franchement. Ce mec, c'est qui? Mais il vit où ce mec? Qu'on le fasse arrêter au Cameroun. Si je dis qu'on l'arrête. Eh mon Dieu, mes frères, pardon. Oh, ce n'est pas possible. J'ai très mal au cœur. J'ai mal, franchement. J'ai mal. Comment on peut faire des choses pareilles? Mais ce mec doit avoir une mère, il doit avoir des sœurs. C'est pas possible. Vraiment, ne m'envoyez plus ce genre de photos. Je suis trop sensible. Ne m'envoyez plus ça. Ne m'envoyez plus ce genre de photos. Ce genre de vidéos. C'est pas possible, ça. C'est-à-dire, tu prends la démarche. Mais filme-toi si tu as envie de te filmer. Si tu veux faire le buzz. Mais non, fais le buzz avec tout et n'importe quoi. Mais il y a des gens qui n'ont même pas la crainte de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. La moralité a vraiment foutu le camp. Il y a des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. La femme est chosifiée aujourd'hui en Afrique. C'est-à-dire, les Africains... Les hommes africains, je comprends pas. Je comprends pas votre démarche. Je comprends pas. Ou bien vous voulez montrer quoi? C'est quoi ça? C'est même qui ce mec qui a fait ça? Mais qu'on le fasse arrêter? Non, mais merde! Pardon, trouvez-moi le nom du garçon, du mec qui a fait ça. Trouvez-moi le nom du mec qui a fait ça. Qu'on le fasse arrêter. Si c'est un Camerounais, même s'il est n'importe quel pays, qu'on le fasse arrêter. Qu'on l'arrête, ce garçon. Qu'il fasse la prison. C'est quoi ça? Ce n'est pas possible. Eh mon Dieu. Merde. Ce n'est pas possible ça. C'est-à-dire, il balance ça. On voit le visage de... Mais cette fille, elle a une famille. Elle a... Non mais... C'est... Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. C'est incroyable. On est vraiment en danger.
On est vraiment en danger. Qu'un homme fasse la démarche. Eh Dieu, vraiment, je vous assure que, excusez-moi, je suis choquée, hein. Je suis vraiment, je suis complètement. Oh, arrêtez un peu là aussi, hein. Non, ça c'est. Je ne sais pas. Ou bien c'est la fin du monde. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la démarche même. La démarche de faire une chose pareille. C'est pas possible. C'est pas possible ça. Ce n'est pas possible ça. Mon Dieu. Ce n'est pas possible. Non. T'as dit que je n'ai. Oh mon Dieu, le Seigneur. Seigneur Jésus. C'est même qui ce garçon? Je pense que nous en Afrique. Honnêtement, on a touché le fond. On a touché le fond, je vous assure. On a touché le fond. On a touché le fond, nous en Afrique. On a touché le fond. Vraiment, on a touché le fond. On est tout le temps en train d'accuser le blanc. Nous-mêmes, notre façon de se comporter entre nous. Eh mon Dieu, on est là, on se détruit. Maintenant, la grande mode, ce sont les hommes qui font l'amour avec des femmes. Ils prennent les femmes en photo et ils balancent ça sur le net. C'est quoi? C'est la sorcellerie, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mes frères? Dites-moi un peu, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas possible. Mais ce mec-là, quand je dis souvent que vraiment je n'arrive pas, je n'arrive pas. Il y a des têtes, il y a des milieux. J'ai peur, c'est pas. C'est pas possible ça. Non. Non. Et je suis sûr que il est même en train de. Non. C'est un mec là. On m'envoie une vidéo d'un mec qui se prend. Il se prend en photo. Il est en train de faire l'amour. Il y a une nana qui. Bref, des ébats amoureux. C'est-à-dire, il filme la fille. Hein. Et voilà, il filme le visage de la fille, machin et tout, monsieur, non mais oh. Mais Nafi, mais le problème en fait, c'est quoi? Il faut parler de ça. On ne peut pas rester sans parler de ça. On ne peut pas rester sans parler de ça. Les gens ne peuvent pas faire comme si c'était normal. Mais ce n'est pas normal, des choses pareilles. Ce n'est pas normal. Mais je t'assure, Vanessa. T'as dit que. Mais vous qui partagez même, vous qui partagez ces choses, je trouve que vous êtes. Non, excusez-moi.
Vous êtes comment on, vous, moi, je peux partager des choses pareilles. Je peux pas. C'est une histoire vraiment. Non. Et maintenant, tout, on trouve tout normal. On trouve tout normal. Dans ce monde, on trouve tout normal. Les gens ont perdu de leur valeur. Non. Les gens trouvent tout normal. On publie tout et n'importe quoi. Et parfois, ce sont des femmes. Ce sont les femmes qui rentrent dans ce jeu. Je ne comprends pas. Ou bien c'est pour vous rendre intéressante de faire des choses pareilles? Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui vous arrive, vous, en Afrique. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'on puisse partager la vidéo d'une femme. C'est-à-dire. Mais c'est une histoire de fou, quoi. On m'envoie la vidéo d'une femme et je prends plaisir à partager. Mais vous, les femmes africaines, là, vous êtes même devenues comment? Vous êtes devenues comment? Vous êtes devenues comment, mes sœurs? Partagez même des choses pareilles. Putain. Et Dieu. C'est-à-dire, on est d'un individualisme en Afrique qui n'a pas, qui a atteint l'opposé en fait. C'est-à-dire, on a fini avec ça en Afrique. C'est-à-dire, on s'en fout. On s'en fout. La crainte de Dieu, on s'en fout. On s'en fout. Tu m'étonnes. En plus, les filles vont même encore sortir avec ce genre de mec. J'espère qu'il n'est pas marié, celui-là. Mais c'est même qui ce mec? Non, mais c'est pas possible. Qu'on le fasse coffrer un tout petit peu. Mais c'est qui ce mec? Comment peut-on laisser des choses pareilles? Comment peut-on? Je ne sais pas de quel pays il est, ce mec. Je ne sais pas de quel pays il est. Parce que vraiment, il faut qu'on essaye tous sur les réseaux sociaux de, je vais dire, qu'on fasse une pétition contre ce monsieur. Qu'on fasse vraiment, qu'on essaye d'être solidaires, que ce soit les hommes ou les femmes, pour dénoncer cette façon de faire. Que ça ne se reproduise plus. Qu'il ait une bonne leçon. Qu'on lui donne une leçon. C'est pas possible. Mais complètement banni de la société. Complètement banni de la société. Aujourd'hui, c'est-à-dire les femmes sont lynchées, les femmes sont moins que rien, c'est-à-dire, et voilà encore un porc comme celui-là. Un porc, s'il était même beau, avec son gros ventre. Un idiot comme ça. L'enfant de truie. L'enfant de truie. La fille de truie. La fille de truie. Il balance les photos de la fille de truie. Eh mon Dieu, eh Seigneur. Franchement. Franchement. Oh. Vraiment. Il faut éviter de m'envoyer ce genre de vidéos.
faut vraiment éviter. Il faut vraiment éviter de m'envoyer ce genre de... Non, il faut éviter. Et les filles, ne partagez plus ce genre de choses. Ne partagez, essayez d'être digne. Essayez d'être digne. Ne partagez plus ce genre de choses. Parce que quand vous partagez, vous encouragez. Vous encouragez. Et la vidéo ne fait que tourner. Il faut arrêter la chaîne. C'est quoi même ces histoires où... Je ne sais pas. Mais vous avez reçu... Dites-moi. Ou alors je suis dans un monde que je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je suis perdue. Comme moi, une femme, je partage la vidéo d'une autre femme qu'on est en train de bafouer. Je partage sa nudité. Mais, hé, attendez là. Et ce sont des femmes qui prennent plaisir à partager ça. Mais ce mec-là, il est de quel pays, franchement? Est-ce qu'on peut savoir au moins, peut-être qu'on peut, on peut le reconnaître, il y a quelqu'un qui peut le reconnaître, je ne sais pas. Mais il est de quel pays, ce monsieur-là? Il est de quel pays, ce monsieur? Il est tout moche même, et même dans une pièce complètement, déjà, il sent, c'est-à-dire à distance même, ça se voit qu'il sent mauvais, et avec son visage plein d'huile de transpiration, comme les vendeurs de beignets, ce mec-là, sale, tu sens qu'il est tellement sale. Il me donne envie de gerber une photo pareille. Me donne complètement envie de gerber. Je ne sais pas d'où il sort même ce dans une dans une dans c'est quoi ça? Dans une pièce complètement lugubre et tout, il faut voir même. Regardez-moi ça. Il se prend pour je sais pas pour qui il se prend ce démon-là. Prendre la fille d'autrui en vidéo. Filmer la fille d'autrui, balancer sur Facebook. Et pardon, il n'a pas caché son visage. Hein. D'une saleté. Le genre de personne, je n'ai même pas envie de passer à côté tellement il pue, ce genre de personne. Il pue. Les gens qui sentent la transpiration comme ça. Sale race comme ça. Un porc, son gros ventre comme ça. Il balance la photo de la fille d'autrui. Ces odeurs, t'as dit, je les ressens même d'ici, je les ressens, ces odeurs. Il balance, au moins s'il était propre, s'il était beau gosse, je pouvais comprendre. Il n'est même pas beau gosse. Les gens font les films porno pour gagner de l'argent. Lui fait ce genre de truc pour... Non mais oh! Ces espèces de racailles là, les sous-merdes comme ça. Il n'y a que ça qu'on a en ce moment. Et ça balance, ça balance, ça balance. C'est l'image qu'on veut donner de l'Afrique. Hein. C'est l'image... Ne m'envoyez plus ça. Heureusement que j'ai bloqué la personne. Plus jamais de la vie m'envoyer ce genre de choses. Quand je dors chez moi tranquille, vous allez loin avec vos histoires de saleté. Je n'ai pas une vie sale. Donc vous gardez votre saleté loin. Vous gardez votre saleté loin. Je n'ai pas une vie sale. J'ai une vie nickel. Et je ne fréquente pas ce genre de personnes.
Donc arrêtez. Ne me traumatisez pas avec vos saletés de Facebook. Vous gardez ça pour vous. Je n'ai pas besoin de regarder ce genre de choses. Vous me laissez ma petite vie comme ça. Laissez ma petite vie comme ça. Je n'en veux pas. Ne me traumatisez pas. Ne me traumatisez pas. Les sales mecs comme ça du quartier là. Sale racaille, port de racaille comme ça. Les sous-merdes comme ça. Les fins de race. Hein. Ce genre d'individus là. Qui transpire les sales mecs, c'est-à-dire avec son visage plein de gras. Il joue au pacha dans une pourrie pièce. Et les filles black applaudissent et elles partagent même les vidéos. N'importe quoi. Mais honte à vous. Honte à vous. Vous partagez votre nudité. Essayez d'être digne. Essayez d'être digne. Sale racaille comme ça. Les fins de race comme ça. Allez dire que j'ai dit. J'emmerde ce genre de mec. Les gens qui sentent la transpiration. C'est pour ça que je ne veux pas souvent aller dans les endroits de noir là. Où il y a ce genre d'individus là. Où tout le monde se mélange n'importe comment. Regardez-moi ça. Et les femmes qui partagent. Regarde celle qui m'a même envoyé cette vidéo-là. Regarde-moi celle-là. Regardez-moi ça. Comme si c'était drôle. Comme si c'était drôle. Une femme africaine qui envoie la nudité d'une autre femme. Et comme si c'était drôle. Vous pensez que moi j'ai une sale vie comme ça, là? Je le dis toujours, j'interdis qu'on m'envoie ce genre de choses. Et je l'ai toujours dit. Respectez ma vie. Je n'ai pas une sale vie, donc ne m'envoyez pas ce genre de choses. On plaisante sur Facebook, hein, d'accord? On plaisante pour amuser la galerie, mais ma vie elle est nickel, hein, ok? Je ne suis pas le genre de nana de gauche à droite, hein, ok? Donc ne m'envoyez pas ce genre de vidéos. Non. Vous ne m'envoyez pas. Vous ne m'envoyez pas. Je n'ai pas une vie dissolue. Je n'ai pas une vie dissolue. Donc il faut savoir à qui envoyer ce genre de choses. Pas à moi. Pas à moi. Les femmes africaines qui partagent. Vous avez une médaille, vous êtes payé pour ça? Je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi même on donne la connexion aux Africains? C'est-à-dire qu'ils utilisent Facebook pour dénigrer leurs frères et sœurs. Non, c'est vraiment, on a touché le bas. On a même plus besoin, on a touché le bas. Tu m'étonnes, Vanessa. Oh, Jesus Christ. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Et c'est une femme qui m'a envoyé ce genre de vidéo. C'est une femme. Heureusement que je t'ai jamais rencontrée. Comme si on avait cette proximité. C'est-à-dire, attendez. C'est quoi ces femmes-là? On est intime à ce point pour que tu puisses m'envoyer une vidéo. On est intime à ce point. Si vous faites vos choses de filles, de saloperies, là, de machin, je ne suis pas là-dedans. Hein. Non, 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 non. Je ne suis pas là-dedans. Je le dis toujours. Hein. Je ne suis pas là-dedans. Moi, en France, j'ai mes habitudes. Je prends mes cafés, j'ai mes petits endroits. Je ne traîne pas n'importe où en France. Je ne traîne pas n'importe où en France. Et je ne traîne pas avec n'importe qui.
Et les personnes que je fréquente sont des personnes de bonne moralité. Vos histoires, et même sur Facebook, je viens là, je plaisante avec les gens, mais ce n'est pas sûr que je les vois. Donc, il faut arrêter. Ne m'envoyez plus ce genre de vidéos, parce que moi, ça me traumatise. Peut-être vous trouvez ça drôle. Hein. Moi, je ne trouve pas ça drôle. Je ne trouve pas ça drôle du tout. La nudité d'une femme. Je ne trouve pas ça drôle. Mais c'est pas possible, ça. Mais ce mec même, c'est qui? Ce mec, c'est qui? Ce mec vit où? Moi, j'ai envie de savoir où ce mec vit. J'ai envie de savoir où ce mec vit. J'ai vraiment envie de savoir où ce mec vit. Franchement. Regardez-moi ça. Ces espèces de je ne sais même pas dans quel pays il était, ou bien il est. C'est cette espèce de crève la dalle, là. De crève la dalle, là. C'est saleté, là. C'est saleté, là, les rejetons de la nature. Regarde-moi ça. Il veut faire le beau, il veut faire le buzz. Il veut faire le buzz. Il se prend en photo en faisant l'amour. Il filme la fille. Il balance. Il filme la fille, se filme, il balance sur Facebook. Il balance sur Facebook. C'est pas possible. Moi, j'ai tout simplement envie de savoir d'où ce mec, de quel pays il vient. C'est ce que j'ai envie de savoir, c'est tout. Le reste là, c'est faites votre, continuez à faire vos partages loin de moi. J'ai envie de savoir d'où ce mec vient et je fais mon travail, c'est tout. Parce que il faut amusez-vous, mais moi je fais mon travail, c'est tout. Je fais mon travail de prévention, oui, bien sûr. Je fais mon travail de prévention. Oui, je suis là pour protéger les gens. Je protège. Je protège les gens. Donc faites très attention à ce que vous m'envoyez. Faites très attention. Faites très attention. Moi, la prochaine fois que quelqu'un m'envoie une chose pareille, je suis capable d'aller déposer plainte contre la personne qui m'a envoyé. Hein. Ce genre de... Je vous préviens d'abord, hein. Je vous préviens, la prochaine fois que quelqu'un m'envoie une chose pareille, non seulement je ne vais pas bloquer la personne, je peux vous dire que la personne aura affaire à moi. Donc, il faut savoir ce que vous m'envoyez. Il faut savoir. Si vous êtes mes amis, essayez d'être clean. Ça, je vous préviens. Si vous êtes mes amis, essayez d'être clean. Sinon, ça ne va pas aller, ça ne va pas se faire. Hein. Ça, je peux vous dire, hein, ça ne va pas se faire. Donc, faites très attention. Regardez-moi ça. Partagez les photos de femmes nues. Elle prend la photo de sa sœur, elle balance ça à d'autres personnes. Il faut arrêter ça. Vraiment, il faut arrêter. On a assez de problèmes comme ça. On a assez de problèmes comme ça en Afrique. On a assez de problèmes. Non, il faut arrêter. Vraiment, il faut arrêter. Je vous assure, hein, mes frères africains, il faut arrêter.
Vraiment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Franchement, si vous ne pouvez pas aider quelqu'un, il ne faut pas le nuire. Vraiment. Vraiment, il ne faut pas, si vous ne pouvez pas aider quelqu'un, il ne faut pas le nuire. C'est-à-dire que balancer, se prendre en photo, en train de faire l'amour, tu filmes la fille d'autrui et tu balances sur les réseaux sociaux. Et les femmes comme toi partagent. Et Dieu. Et Dieu. Heureusement que je n'ai pas ce genre d'amis dans mon entourage. Heureusement que je n'ai pas ce genre d'amis. Mes amis ont la crainte de Dieu. Et on balance même, tu regardes même ce porc-là. Tu regardes ce porc avec le visage plein de gras. Il ne peut même pas se nettoyer le visage. Dans une chambre complètement, je veux dire, regardez-moi ça, il veut faire le buzz. Il veut faire le buzz. Il veut faire le buzz. C'est incroyable. Faire le buzz avec ce genre de choses. Et les femmes partagent. Eh Dieu, la femme africaine n'est pas comme ça. Hein. Elle n'était pas comme ça. Les femmes africaines ont tellement changé. Non. Non. Vraiment, il faut avoir la crainte de Dieu hein, en toute chose. Il faut avoir la crainte de Dieu en toute chose. Je vous assure. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses même, il y a des actes que quand on pose, il y a des actes quand on pose, sincèrement. Il faut toujours vous poser la question. Si c'était moi, si c'était ma sœur, ma mère, c'est tout. Posez-vous cette question. Et ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Je vous en supplie, ne faites plus ça. Vous êtes en train de réduire la femme noire à zéro. Moins que rien. Moins que rien. Pardon. Je me mets à genoux, mes frères. Arrêtez. Je me mets à genoux. Arrêtez. Arrêtez. Bon. Franchement. C'est pas possible. Ce porc-là, cette espèce de racaille-là, fallait voir, il fallait voir son corps, mon Dieu, oh, der, fallait voir son corps, der, il me donne envie de gerber, ce genre de personne me donne envie de gerber carrément, quoi, der, je vais me faire vomir, là. Franchement, saleté comme ça, avec un corps plein de gras, son gros ventre. Il était top modèle. S'il était top modèle. C'est lui qui balance, c'est lui qui veut le buzz avec un corps comme celui-là. Idiot comme ça. Fin de race. Il faut qu'on te retrouve. Hein. On va te mettre le courant aux fesses. On va te mettre le courant aux fesses. Faut qu'on te retrouve.
Quand ton mec le courant aux fesses, tu ne vas plus jamais refaire ça à une femme. Tu vas plus jamais refaire ça à une femme. Tu vas plus jamais refaire. Incroyable. Je me demande comment Facebook laisse même ce genre de choses. C'est quand même incroyable. Je me demande comment on peut laisser faire ce genre de choses. Et ces filles qui publient là, est-ce que vous arrivez à dormir? Moi, j'ai envie de savoir. Hein. Ou bien c'est le fun. Peut-être que je suis trop vieille. Hein. Ou bien c'est le fun. Ça fait de vous des filles in. Je sais pas. Il faut que vous m'expliquiez un peu. Quand tu prends délibérément la photo d'une femme comme toi, tu partages. Le but, c'est quoi? Je sais pas. Il faut me dire. Hein, je sais pas quel est le but. Hein. Prends la photo d'une femme comme toi, qu'on est en train de salir, et tu partages. C'est tout. Tu partages. Ce mec sort d'où même? Je ne sais pas, personne. Ce mec qui a fait ça, il sort d'où? Il est de quel pays? Il sort d'où? Parce que là, on parle. Partager la vidéo pour savoir où ce mec sort. Hein. Parce qu'il faut qu'on aille le cueillir où il est. Partager la vidéo pour savoir où ce mec sort. D'où ce mec sort. Je vais le faire coincer. Je vais le faire coincer, ce mec. On va lui demander de refaire ça à une femme. Il ne va plus faire. Oui, il ne va plus faire. Il faut vraiment qu'on le coince, ce mec. Il faut qu'on le coince. Il faut qu'on le coince, ce mec. Et les hommes sont là sur Facebook. Ils ne font rien. Ils ne font rien. Non mais c'est... On a touché le fond. On a touché le fond. Entre les faux profils sur Facebook, les choses que je ne connais même pas. C'est-à-dire, je pense qu'il y a sorcellerie dans cette histoire-ci. Entre les faux profils, on me... Merde. Entre les faux profils. Pardon que quelqu'un ne prenne pas ma photo un jour et dire, moi je n'ai qu'un seul profil. Hein. Les faux histoires de faux profils, je ne connais pas. Je connais pas ça. Comment quelqu'un de normal peut créer plusieurs profils même? Je me dis, mais c'est pas possible. Quelqu'un de normal, tu te lèves un matin chez toi et tu crées plusieurs profils. Le but, c'est quoi? Ça dit que les Blancs font leurs choses, mais nous, c'est pourquoi vous faites ça? Et pourquoi vous créez les faux profils pour escroquer les gens? Mais sauf qu'on vous cueille. Il y a une cybercriminalité, il faut le savoir. Il y a la police, le police sur le net. On peut toujours vous attraper partout où vous êtes, il faut le savoir. On peut vous attraper partout. Ne pensez pas qu'en créant un faux profil, vous êtes couvert. Non. Non, non, non. Faites attention. Hein. Faites attention. Ah oui, faites très attention. Parce que aujourd'hui, on a des systèmes qui permettent de localiser. De localiser la personne. Il y a des mataris sur Facebook, hein. Il y a des mataris sur Facebook qui rentrent dans la peau
de la personne pendant un moment, qui font le travail sur Facebook. Et après, on te chope. Continue à faire vos histoires là. Je pense que l'Afrique n'a pas, comme on vous a donné Facebook, on vous a donné les réseaux sociaux, maintenant vous faites tout et n'importe quoi. Continuez. Au lieu de chercher votre argent tranquillement, même si vous voulez chercher les mecs, mais cherchez les mecs tranquillement. Il faut laisser l'histoire de banditisme là aussi. Vos histoires de buzz, où vous voulez à tout prix. Hey, est-ce que ça paye même? Est-ce que ça paye même les histoires de buzz là? Est-ce que ça paye? Voilà un idiot, carrément. Et il rigole même. Monsieur, il est plaisant, quoi. Il est là, assis sur son faux canapé Chesterfield et tout comme si... Regarde-moi ça. Des espèces en voie de disparition comme ça. Il se prend en photo avec une femme en train de faire l'amour et il balance ça sur les réseaux sociaux. Et Dieu, la fille de quelqu'un. L'enfant de quelqu'un. Il y a des moments, il faut la peine de mort. Vraiment. Il y a des moments, il faut, pour des personnes comme ça. Ce mec est de quel pays? Incroyable. On a touché le fond en Afrique. On a touché le fond. Je vous assure qu'on a touché le fond en Afrique. Non, on a touché le fond en Afrique. Que les hommes se comportent ainsi, faire l'amour avec une femme, tu filmes et tu balances ça sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi je ne devrais pas parler? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui parle. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui défende la cause des femmes et des personnes. Mais attendez, pourquoi je devrais me taire face à ce genre de choses? Si on se taisait tous, je n'aime pas l'injustice dans ma vie. Pourquoi je devrais me taire? Vous pourrez tout simplement qu'on laisse partager les vidéos de cette femme nue? Non, je n'accepte pas ça. Elle ne le mérite pas. Je ne la connais pas du tout. Elle ne le mérite pas. Mais ce monsieur, en photo, en vidéo, il faut qu'on le lynche. Je dis bastonnade publique. C'est ça qu'il mérite. J'ai tout simplement besoin du nom du monsieur. Merci.